Whisper qui sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a hypnotisé là? Ah, c'est mignon de le voir grandir, Nathan, quand même. Regardez, je vais le mettre dans ma bouche bien ouverte. Pause. J'adore comment il brise le quatrième mur comme ça là. Mais je pense que je vais enlever leur cloche force à Jibanyan et Jetnyan. Waouh! Comment tu as fait pour le trouver aussi rapidement? La meuf qui nous regarde en bas, tu sais. Il me semble la marque Evans. Headshot. Qui a 5 étoiles? Attendez. En vrai, je crois que c'est notre premier rang. Ah, en vrai en plus. Let's go. Ah, let's go. Ah, il prépillon. C'est quoi? Ah, comment avance. Le mec il m'a agressé dans les toilettes. Vous n'allez pas croire la chose de méga malade que je viens de trouver. Attendez, ça chie le Kai. En vrai, ils ont vraiment step up leur game pour les quêtes dans le deuxième jeu. Hello les pixelos, on a encore dépassé un cap de 10. On a encore re-randomisé la run. Mais pas que ce soit un petit peu normal, un petit peu. La dernière fois, on a vaincu le boss le plus facile de tout Yokai Watch. Oh, et aussi, si ma voix, elle a l'air un petit peu bizarre, c'est normal, je suis un chouïa malade, ne vous en faites pas, j'ai pas de fièvre, j'ai rien, j'ai juste un petit mot de gorge. Donc si ma voix... elle craque un petit peu de temps en temps, ne vous en faites pas. Hé, Pixel, où as-tu? Oula. Ouais, la voix de Jibanyan, ça va être dur, hein. Je dois faire une course pour ma mère dans le quartier commercial, tu viens? Viens là, Coco, de quoi tu me parles? Tu as entendu la rumeur? Oh, ça va être dur de faire les voix, hein. Oui. Ah, bac. Oui, plein de choses ont grossi. Même les légumes de Monsieur Verdier. Ah, je le sens mal. Oh, ah, un petit peu plus pour moi, ce serait bien. Un petit peu plus pour moi, je vous avoue. Oh, il y a le, comment dire, il y a la petite flamme des esprits dessus. Mais qu'est-ce que, en parlant de choses énormes. Ah. Coco, comment on se retrouve? J'ai la diarrhée. Vous vous souvenez, on l'a battu dans littéralement le dernier épisode, hein. Je crois qu'il est juste en séjour, hein, à Grandval-sur-Mer. Oh là, Nathan. Qu'est-ce que c'est? Souffle fort. Pixel, quelque chose que l'ange avec ta tête. Oh my god, on a pris la grosse tête. Ma tête, elle est énorme. J'adore ce sprite pour Whisper. Et tellement lourde. Comment est-ce possible? Ça doit être mauvais pour ton dos. Je vais arranger ça, Pixel. Oh, waouh! Whisper qui sert à quelque chose! Wow, c'est rare comme vue, ça. Ça soulage. Merci, Whisper. Occupons de ce Yokai géant. Mais vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Le mec qui m'a déglingué à l'école et toi? Hein? C'est à moi que vous parlez? Waouh! Le Yokai est énorme! Il a aussi des amis Yokai. Mais c'est une Yokai Watch. Et toi, tu dois être habile et courageux. Tu es l'aide que je cherchais. Vengeur culotté. Qu'est-ce qu'ils ont avec les sous-vêtements ici? Toi? Monsieur Belvu? Vengeur? Qui est ce vengeur culotté? Écoute, le monde court un grand danger. Donc aucune pression, bro, hein. On a besoin de ta puissance. La puissance de l'ami de Yokai. Comprends rien. De quoi vous parlez? Quel danger? Mon ami a besoin de toi. Vous partagez un lien profond. Votre ami? Vous êtes sûr? Je ne crois pas qu'on ait d'amis en commun. Je pense que ça se saurait, hein. On en parlera plus tard. Quand tu seras à Ourcival. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dois me rendre à Ourcival. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a hypnotisé là? En route pour Ourcival. Eh bien, on est bien obéissant. Quoi d'autre? Ah, regardez! C'est mignon comme détail, mais genre toutes les affaires, elles ont une étoile dessus. Son sac, c'est haut. Oh, c'est choupi. Pourquoi c'est le bazar ici? Ce n'est pas le bazar. Fais mes bagages pour rendre visite à mamie. Ta grand-mère? Je vais rencontrer ta grand-mère, Pixel? Ouais, elle vit à Ourcival. J'avais très envie de la voir ces derniers temps. Oh, on va débloquer un nouvel entre. Alors, Pixel, tu es prêt à partir? Je pense, oui. Encore une petite minute. Pas de soucis, c'est la première fois qu'il va chez mamie tout seul. Ah, c'est mignon de le voir grandir, Nathan, quand même. Je sais, je suis un peu nerveux. Oui, en fait, les sous sont passés les beignets. J'ai utilisé les offres à mamie pour la remercier. Désolé, je n'en ai aucune idée. T'en peux, c'est pas non plus. On va du bien-être. C'est Jibanyan, c'est ça? Des beignets disparus? C'est peut-être l'œuvre d'un yokai. Sauce. Comme si c'était toujours la fin des yokai. N'importe quoi. C'est de la yokai phobie, ça. J'en suis pas si sûr. Non. Jibanyan, t'as des mains, tu peux les porter comme ça. Whisper a raison, tu réfléchis trop. Tiens, mange ça et détends-toi. Ce n'est pas de refus. Pareil pour moi, ces beignets sont délicieux. Regardez, je vais les mettre dans ma bouche bien ouverte. Pause. Attends, un peu. C'est les beignets de mamie. Stop. Ah, yeah. Ah, Nathan, tu peux pas me permettre de faire ça, cette caméra est très fragile. J'adore comment il brise le quatrième mur comme ça là. Il est sort d'où son éventail lui par contre? Désolé, Jibanyan, j'ai un peu exagéré. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne acheter des beignets? Peut-être. Je vais en parler à ma mère. Miaou. Hé, Jibanyan? Tu vas rencontrer les next Armion. Oh, il est trop chou. Jibanyan? Quoi? Je suis en train de me reposer là. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le next Armion sur la pluie météo. La météo? Ouais. Elle est pas censée te dire le temps qu'il fera la pluie météo, oui. Moi, Nathan, méga grey, méga connexion. Génial, j'ai une compète aussi utilisée pour ça. J'ai horreur d'être mouillée, alors je jette toujours un coup d'œil avant de sortir. Je ne savais pas que la pluie te dérangeait. Je suis comme ça.
la mèche, si les flammes vont mais que s'éteignent, je crains. Oh, waouh, ce serait cool. Ça ne me dérange pas si j'avais quelque part avec toi, Pixel. Oh, boubou. Toi aussi, tu devrais l'utiliser, Pixel. Tu as obtenu l'application météo. Comme ça, tu verras les alertes météo. Je regarde Ken et que ça va bien, Nina. Bah merci, c'est gratuit. Allez, d'abord, avant toute chose, échanger Yokai. Bon, échanger Freezer. Désolé, mais t'es trop perfide pour moi. Hop. Patate, t'es à nous. Franchement, il est classe ce design pour Komaou. Attends, il peut faire quoi lui du coup? Ami ultime, il a même pas la décence de nous le dire, c'est vraiment un lieu criminel, hein. Enfin, le yokai est si docile qu'il ne peut pas être ciblé. Ok. Bon, après, je me doute que genre, ils peuvent pas y avoir un portrait pour tous les lieux criminels, hein, mais bon. Attends, est-ce qu'il va nous suivre du coup ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre derrière nous? Ah, ça marche quand même, let's go! Bon, en quelconque yokai, il est trois fois plus badass que toi, hein. Je suis désolé de te le dire, Whisper. Attendez un instant. Je pense que je vais enlever leur cloche force à Jibanyan et Jetnyan. Parce qu'ils sont un petit peu trop surcheatés, je vous avoue. Ah, ça va un petit peu rééquilibrer les choses. Bon, avant d'aller voir maman, nous avons une autre momie à aller voir, dénommée Bérénice Bélier. Car souvenez-vous, on a pu acheter 4 globes de portail la dernière fois. Hop, globes de portail que tu possèdes, 4. Veux-tu assurer 4 globes de portail dans ce portail? Bien sûr. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu as débloqué un nouveau portail mystère. Oh, coucou. Ah, il en faut encore une tonne là. Waouh, comment tu as fait pour le trouver aussi rapidement? Oh, on est allé à l'Intermarché, c'est rien. Il y avait un endroit étrange, simulé derrière le portail mystère. Il y a un autre grand portail ici. Je vois. Grâce à mes nombreuses années de recherche, je peux affirmer qu'il te manquait encore quelques globes de portail. Ah, des recherches, fais-moi rire. J'ai compris en 2 secondes. Tu sais qu'il y a un problème quand c'est Whisper qui doit state the obvious. Clairement, le portail est plus important au milieu. Son apparence, sa couleur sont si différentes. Tellement fashion. C'est tellement. Il te simule un grand secret. Oh, on devrait sûrement commencer par les portails à tour. Pas de perdre. Tu as besoin de poursuivre ta quête des clubs de portail. D'accord. Bien. Oh, une belle troupe. Je suis heureuse d'avoir des volontaires qui font tout ça de manière volontaire et volontairement. Jibanyan qui danse au vent, il est trop mignon. Il a l'air totalement dépassé par son énergie débordante, Pixel. Le portail final. Consulte le menu quête. Voilà ce qui s'y trouve. Hmm. Bon, au final, il faudra attendre un petit peu pour en voir plus. Allez, Nathan, fais un petit peu d'effort, ça va aller. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'y suis presque. Allez, c'est pour aujourd'hui. La meuf qui nous regarde en bas, tu sais. Attendez, il y a une quête et je crois qu'elle est assez intéressante à l'heure. Il ressemble à marquer Vance. Oh, voilà Pixel. T'as un instant? Bien sûr. Pourquoi? Vous avez un truc super chouette de prévu? Ok, oui. Et tu ferais mieux de t'asseoir avant qu'on t'en parle. Kat va t'en parler. C'est lui qui a trouvé la carte au trésor après tout. Sérieux? C'est génial, hein? Je l'ai trouvé caché dans un lit dans la bibliothèque. On est persuadé qu'elle mène à un trésor caché sur le mont Sylvestre. Il y a comme de l'aventure dans l'air. C'est le cas de le dire. On va être riche. Alors, Pixel, te dis de partir à la chasse au trésor avec nous? Pourquoi pas? Et comment? Il n'y a rien de mieux que la chasse au trésor. J'adorais faire les chasses au trésor quand j'étais petit. Super! Ne perdons pas de temps! En route pour le mont Sylvestre! Je vous suis! Quelle aille sur maman et mamie aussi! Je sais, ça te motive bien tout ça! Moi aussi, je suis enthousiaste! Les meilleurs chasseurs de trésors ont besoin d'un super valet, tu sais! C'est la première fois que j'entends ça. Aussi, j'ai pas de super valet sous la main, donc je sais pas comment je vais faire. Mais avant, il nous faut un truc important, un chouette nom d'équipe. Bien dit, comment devrait-on s'appeler? Eh bien, Fred a trouvé la carte. Les brigands de Fred? Fred et les champions? La brigade de Fred? C'est un peu nul tout ça. Headshot! On devrait s'appeler comme on est, les jeunes chercheurs de trésors perdus. Trop long et trop barbant. Trouvez! J'ai vu un film sur un trésor de pirate appelé les pilleurs. C'est mal de piller, non? Et il a raison! Faisons simple. Pourquoi pas les chasseurs de trésors? J'aime bien ça. Ouais, on va être les chasseurs de trésors de Grand Vine. C'est encore plus long que le mien. Oh, ils sont choux. Ils sont mignons, les quatre, là. Les chasseurs de trésors. Court, simple et efficace. J'approuve. Maintenant qu'on a décidé du nom, on peut aller au Mont Sylvestre. Ouais! Carte au trésor. Chasseur de trésors. Hein? Hop, ça va être un arc sur multiples quêtes, ça, je le sens. Hein, c'est où ça? Ça me dit, l'édite rien. Bon, en vrai, c'est cool qu'il nous donne une carte. Alors, où est-ce que c'est. Attendez, quoi, tu vas en quoi, toi, maintenant? Pièce 5 étoiles? Attendez, attendez, attendez. Là, on va en profiter pour aller au Bingo Kai. Oh, est-ce qu'on peut se prendre des trucs de malade, là? Attendez, 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 attendez. Ah, attendez. Oh my god, attendez. Est-ce qu'on va y arriver, genre? Attendez. Attendez, je suis surexcité, attendez. Est-ce qu'on va voir un truc de malade, là? Quelque chose de 5 étoiles. De 5 étoiles. Allez, 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 allez. Oh! Un autre fucking nien! Excusez-moi, j'ai fumé quelques cigares. Alors, la voix, elle est cool, hein, mais ça lui va tellement pas. Oh my god, je m'attendais tellement pas à ce qu'il sonne comme ça. Attendez, je lui donne un surnom, attendez. C'est un surnom que vous m'avez suggéré, une seconde. Alors, hop, si... Lady Gaga.
Bon, j'espère que t'es content du yokai qui aura ton nom, hein, chérie. En vrai, c'est quoi? C'est un yokai de rang A, c'est un nian, c'est un rare en plus de base. En vrai, je pense que t'as une bonne pioche, on va dire. Hop, Siga. Les infos sur Siga où t'as ajouté au médaillon. Et de 1, hop. Et de 2, alors, ça va être qui cette fois? Ah, ça va être un truc banal, je pense. Oh, ouais, rien d'où. C'est vrai que tout a été randomisé, donc c'est normal. Hop, la dernière. Un truc cool. Bon, un truc basique, ok. Ok. Bon, en vrai, ça va. On en ressort chanceux, hein. Bleu yeux. Comme je vous l'ai promis. Bye, connard. Je garde mes nian et je garde Neddy et Pata. Bon. Comme je vous l'ai dit, si un yokai est nommé après vous, je m'engage à le garder pendant au moins un épisode. Et après ça, j'en fais ce que je veux, ok? Donc après ça, c'est moi qui décide. Mais vous aurez au moins un épisode pour avoir votre moment de gloire. En vrai, je crois que c'est notre premier rang A en vrai en plus. Let's go! On a les 4 miaou miaou! Bon, en vrai, il est où leur trésor là? Où est-ce qu'il peut bien être? Peut-être qu'il est là-bas, peut-être Maki Arukawa. C'est une nouvelle zone ça, je crois, non? Ah, ça va être ici, ça va être ici. Ouais, ils sont là. C'est aussi ici. Ah, ici, ici. Ah, voilà. Hé! Hey, j'ai trouvé quelque chose. C'est peut-être le trésor. Carte détrempée. Une autre carte. Ou c'est peut-être une autre carte. Celle-là est complètement trempée. Ah, intéressant. Je crois que je reconnais cet endroit. Ce n'est pas très loin. Hé, hey, Pixel. Tu as trouvé un trésor? Mais je devrais lui donner la voix de Marc, lui. Mia the guys. Et mon chat. Impressionnant. Tu arrives et bim, un trésor de trouver. Eh bien, jugez par vous-même. Quoi? Encore une carte? Bon, ça veut dire que nous devons encore rechercher. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette voix et mon dieu, ça va m'exploser la gorge. En commençant ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Le trésor est une carte au trésor. Tu dis quelque chose? Fais-moi voir cette carte encore une fois. Bien sûr. Tiens, regarde. Ça ressemble à un endroit près du pic. Il ne reste plus que du verre. J'ai mémorisé la carte. Tu peux la reprendre, Pixel. C'est celui qui trouve qui garde. On se retrouve là-bas. Et c'est... Attendez, je vais voir ça. Ils sont fort compétitifs les trois là, dis-moi. Ah, ok, je crois que je connais où c'est. En fait, cette quête, c'est vraiment genre, c'est vraiment une façon de faire explorer le mont Sylvestre en fait. Il est trop mignon, ces gars. Genre, il a ses bras genre en mode ah Kala. Et en vrai, pour un niveau 1, t'es chaud de ouf avec surtout 3 PV. Alors je passe par où moi? Bon, par là je suppose. Je vais voir un petit peu, il y a quoi comme yokai ici? La vue. Le trouble de mon existence. Et en plus il est dur à... Ah voilà. La ok, ok. L'oiseau mort que t'as sur la tête là, c'est toi qui l'as tué? Bon, y'a quoi là? Jet Nian! Trahison! Bon, attendez, on va voir ce qu'il peut faire, ce gars là. Attention, ça va être lent. Là, c'est vraiment là. Ok, en vrai, Jet Nian, je suis fier de toi. Car t'es en train de nous prouver ta fidélité. Là, t'es en train de te battre contre l'un des tiens en fait. Ruby Pat! Déjà, ce gars, let's go! Ah, let's go! Tout kick! Attendez. Ok, c'était pas fait exprès, mais ok, attendez. Oui, ouais. Et là, c'est Masami Yokai en vrai. C'est qui le prochain en liste? Ce Yokai sera nommé après. Hop, Charlie. Allez hop, c'est à Charlie. Hop, Charlie, tu fais désormais partie de l'équipe. Tout au clic, c'est désormais Charlie. Ça fait penser un peu à iCarly. Alors, Charlie, je te mets dans l'équipe après, d'accord? On va finir cette quête en attendant. Oh, pour regarder dans les jumelles. Ah, c'est beau. Ça, c'est nouveau, j'aime. Où est-ce qu'il peut bien... Ah, t'es là. Ah, il est loin. Il est pas genre à 500 km de nous, là. Oh, il prend pion. Attendez, patate, c'est ton tour de briller, allez. Allez, encore. Ah, non. T'es pas censé travailler là. T'es pas censé faire mal, toi. Ah. Oh my god. What the fuck. Si vous tous les yokai, Neddy, en vrai c'est bien. Merci pour le sacrifice, Neddy. Allez, 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 Siga, regarde ce que t'as fait. Bien sûr que c'est les 4 miaou miaou qui restent encore. On pensait battre un papillon, au final on est tombé sur un papillon 1000 fois plus fort. Alors ça va être au-dessus, je crois. Ou en dessous. Attendez, c'est où? Attendez. Ah, c'est là. Bon, alors c'est un petit peu inexact, t'as déjà précisé, mais bon, c'est le bon endroit. Alors qu'avons-nous là? Une autre carte? 3C cette fois. Ah, c'était pas possible. C'est quoi tout ce bruit? Vous avez trouvé quelque chose? Encore et toujours une carte? On se moque de nous. Peut-être qu'il n'y a pas de trésor. Non, il y en a un, c'est sûr. Je parie que cette carte va nous donner. C'est tellement... La voix de Marc, elle va tellement bien parce que Marc, c'est le mec qui, genre, va toujours motiver les trous, va toujours faire en sorte qu'ils aient un petit peu d'énergie. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire, Fredo, là. Donc, franchement, eh, peut-être c'est son esprit animal. C'est Marc dans la version de K-Watch. C'est un univers à Taladine. Je peux jeter un œil, Pixel. Si tu veux. Je connais cet endroit. Ça doit être à l'est du sentier de la montagne. Je suis déjà en route. Cette fois, je serai premier à trouver le trésor. Hé, attends. On arrête de traîner. Un dernier coup d'œil à la carte et c'est parti. Bon, ils sont déterminés, les mecs. Hein. Franchement, c'est une qualité. Hein. Alors, c'est où? Ah, des flares. Ok, je vois où c'est, je crois. Regardez la flèche qui nous dit à la gauche. No. Tug. À tout moment, on tombe sur un macraken sauvage. Hein, donc, t'es quoi? Ah, comme un ours. Coucou. Melonian et Anguille. Ah, il fait bobo. Ah, pourquoi c'est devenu méga dur d'un seul coup? Regardez le bébé de Mayoka. Attendez, attendez, on va faire un truc. Vous êtes prêts? Wouhou. T'es absolument pas dangereux, j'en suis sûr. Ah bah, si on peut le remonter. J'ai mal calculé. Ah non, il va falloir se refaire tout ça là. Attends, pourquoi? Pourquoi tu cours comme ça? Tu pourrais juste glisser, tu sais. Ah non, va falloir remonter. Patate, dis à ton frère de nous laisser tranquille. Ok, ça va, une heure tranquille. On a fait 5 mètres, il nous a lâché maintenant. Ok, celui-là il va être dur à éviter, hein, mais Allez, gars! Aidez-moi! Je me fais attaquer!
ça devient chaud. Bon bah super. Ah, et c'est chaud, chaud, chaud. Oh, le jeu il s'est endurci d'un coup. Attaquez Nadine, Nadine, qu'est-ce que tu fais? Oh, ok, ça va. Allez, 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 du bagnette, allez, du bagnette. The bitch, donc moi, was too stunned to speak. Et si vous voulez avoir le destin de ce randomizer challenge entre vos mains, c'est très simple. À chaque fois que mon nombre d'abonnés dépasse un cap qui est un multiple de 10, je re-randomise ma run. Donc si vous voulez faire en sorte que ce challenge soit encore plus mouvementé que jamais, et que vous voulez aussi me ruiner ma vie, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, blablabla, vous connaissez. Hop, sur ce, reprenons l'épisode. C'est devenu un roguelike d'un seul coup. On est où là? Oh, faut qu'on refasse tout le chemin. Ah, c'est pas vrai, faut tout se retaper. Heureusement que je skip hein, pour vous. Vous n'avez pas à tout vous refaire. Bon, cette fois, faut pas la même erreur. On va faire une belle randonnée. Patate, j'espère que ça te dérange pas de marcher. Non, en vrai, regarde comment t'es en train de courir. T'es motivé, t'es déter, tu vas péter des grr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